Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors si vous souhaitez bénéficier de conseils personnalisés gratuitement, tout ce que vous avez à faire, c'est vous abonner sur mon compte Instagram et m'envoyer un message en privé. Bon allez, je lance le générique. Alors, on se retrouve comme tous les premiers de chaque mois. La vidéo d'aujourd'hui sera dédiée au bilan du challenge capillaire qu'on a fait tout ensemble. Ce challenge capillaire a commencé le 1er avril 2020 et a pris fin hier, le 30 juin 2020. Et aujourd'hui, place au bilan. Mais avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet, j'ai pas mal d'annonces à vous faire parce qu'il se passe énormément de choses avec la marque Evazer. Donc vous savez que la famille est actuellement en train de s'agrandir. On travaille très très dur sur le développement d'une gamme capillaire 100% naturelle qui verra le jour fin 2020. Mais bon, je sais qu'en attendant fin 2020, il faut bien qu'on se mette quelque chose d'autre sous la dent. Et du coup, en parallèle, on est aussi en train de développer quelques accessoires. Il y en aura 3, dont notamment un casque chauffant pour optimiser la qualité de vos soins. Donc voilà, le casque chauffant de la marque Evazer, c'est un casque chauffant portatif que vous pourrez emmener partout avec vous si jamais vous partez en vacances cet été. Et surtout, la particularité de ce casque portatif, c'est qu'il est hyper sophistiqué. Vous avez déjà non seulement un minuteur pour pouvoir laisser vos cheveux reposer sous le casque chauffant le temps que vous voulez, entre une minute et une heure en tout cas avec le minuteur. Et vous pourrez aussi régler la température entre 0 et 80 degrés, donc du coup vous ajusterez en fonction de la chaleur que vous pouvez supporter. Un bonnet en satin afin de pouvoir dormir en toute sérénité tout en préservant vos belles coiffures protectrices. Un format du bonnet en satin de la marque Evazer, il est en cours de développement, il risque de changer, vous avez un élastique d'ajustement ici qui permettra aux enfants de pouvoir l'utiliser ou bien de pouvoir l'ajuster en fonction de ce qui vous convient le mieux. Et enfin un tangle teaser qui vous permettra de démêler vos cheveux tout en douceur. Donc ce tangle teaser vient avec un petit capuchon, c'est un tangle teaser portatif. Du coup on développe exclusivement des appareils portatifs pour que vous n'ayez plus aucune excuse pour faire les challenges capillaires où que vous soyez dans le monde. Donc ces 3 accessoires-là verront le jour courant août. Donc restez connectés sur nos différents réseaux sociaux, sur YouTube, sur Facebook et sur Instagram pour être informés de tout ce qui se passe. Alors du coup, en parallèle, j'ai d'autres informations à vous communiquer. Bien sûr, il faut que je vous parle de Evazer en Afrique. Très prochainement, toutes les personnes qui sont en Afrique auront la possibilité de littéralement commander et recevoir les produits Evazer. Donc les précommandes sont ouvertes. Pour précommander, tout ce que vous avez à faire, c'est contacter le numéro qui se trouve en bas de l'écran. Et du coup, par rapport à la disponibilité des produits Evazer sur Internet, le numéro de téléphone qui est disponible, j'ai besoin de rebondir sur un phénomène qui s'est produit précédemment. Alors en fait, on a constaté qu'il y avait pas mal de personnes qui tentaient de se faire passer pour nous, qui prétendaient vendre nos produits. Pour vous donner un exemple concret, en dessous de ma dernière vidéo, lors de ma dernière vidéo YouTube, on a vu plein de commentaires. Donc il y a une personne, je n'ai pas le nom en tête, mais cette personne s'est littéralement amusée à répondre à chaque commentaire en disant « Je vends les produits Evazer, si vous êtes intéressé, tout ce que vous avez à faire, c'est m'appeler à ce numéro. » Et du coup, j'ai vraiment envie d'appeler à votre vigilance, ne soyez pas naïfs. Sachez que le seul point de vente en ligne qui existe actuellement pour le moment pour Evazer, c'est www.evazer.fr. Nous garantissons tous les colis que nous envoyons. Là, je vous ai communiqué ce nouveau numéro de téléphone pour l'Afrique, mais c'est bien l'unique et le seul qui soit disponible. Et vous pouvez faire confiance à ce numéro de téléphone parce que c'est moi qui vous le communique. Ça veut dire que si vous voyez des informations qui sont communiquées dans les commentaires de mes vidéos ou où que ce soit d'autre, ne prenez pas ces informations pour argent comptant. Les seules informations qui doivent être prises pour argent comptant, c'est ce que je vous dis lors de mes vidéos ou les communications qui sont faites officiellement sur mes 3 réseaux sociaux, YouTube, Instagram et Facebook. On a aussi un point de vente pour rappel en Ile-de-France, c'est chez Lilia Beauty, ce point de vente se trouve au 75 rue Jean Jaurès, 95 400 Arnouville. La boutique est ouverte du lundi au samedi de 10h à 18h, donc notre partenaire de vente est là à ces heures-là et est disponible pour vous donner les informations dont vous avez besoin concernant nos produits.
Et puis enfin, du coup, c'est la dernière petite nouvelle, c'est la petite surprise que je voulais vous faire. On sera très très bientôt disponible sur Amazon. Voilà, donc je sais qu'il y a des gens qui attendent depuis longtemps qu'on le soit. Et là, voilà, on a des toutes petites dernières mises en place à effectuer. Aussitôt que tout sera prêt et qu'on sera en mesure de distribuer à partir de Amazon, une communication sera effectuée. Donc, maintenant, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. On va pouvoir parler du challenge capillaire. Je vous avais promis qu'en participant au challenge capillaire Evazer, vous auriez des résultats garantis à 200% en 3 mois. Je vous avais promis qu'en faisant vos soins une fois par semaine, en les hydratant, en mettant en place une coiffure protectrice et en ne les touchant plus de la semaine, vous auriez des résultats. Ça, je vous l'avais promis. Et aujourd'hui, on est là pour constater les résultats. Donc, d'abord, je vais commencer par vous présenter mes résultats et ensuite, on va surtout se focaliser sur vos résultats puisque vos résultats sont le plus important. C'est la raison même pour laquelle je fais les challenges capillaires. Donc par rapport à mes résultats, comme vous pouvez le voir sur cette vidéo, je m'étais lavé les cheveux la veille et puis là j'ai défait les twists et franchement on voit que mes cheveux sont en pleine forme, ils sont beaucoup plus gainés, ils sont forts, ils sont épais, ils sont bien noirs. Et franchement, c'est le résultat du challenge capillaire. Ensuite, la seconde chose que j'ai pu constater avec ce challenge capillaire, c'est la qualité de mes cheveux. En fait, j'ai remarqué qu'en faisant les soins tous les week-ends avec le casque chauffant Evazer et en utilisant les produits de la gamme capillaire Evazer en exclusivité, puisque oui, j'ai la chance de pouvoir utiliser mes produits avant tout le monde, et bah du coup, je constate littéralement que mes boucles se forment. Donc, c'est quelque chose que je n'avais jamais constaté auparavant et franchement, je suis vraiment contente parce que ça montre que ce sont vraiment des produits de qualité et ça montre aussi que le fait de laisser ces produits agir sous la chaleur du casque chauffant fait ses résultats. Donc, je vais continuer et je vous en reparlerai très bientôt. Et enfin, j'ai constaté avec ce challenge capillaire une pousse visible de mes cheveux. Et parce que les images valent bien plus que des mots, je vous laisse le temps de regarder et de vous faire votre propre opinion. Donc franchement, pour moi, ce challenge capillaire a été une vraie réussite. Donc maintenant, on va se focaliser sur vos résultats parce que vos résultats sont le plus important. Comme pour la présentation de mes résultats, je vais montrer quelques-uns de vos résultats en images parce qu'on sait tous très bien que les images valent toujours beaucoup plus que les mots. Leurs résultats sont vraiment extraordinaires. Et comment elles ont fait pour avoir ces résultats? Elles ont uniquement participé au challenge capillaire et respecté toutes les instructions. Et c'est tout ce qu'il y a à faire. La fin du challenge capillaire, c'est aujourd'hui. Donc du coup, j'attends encore tous vos résultats. C'est vraiment quelques résultats que j'ai reçus en avant-première. Donc à toutes celles qui ont envoyé un email à challenge@evazer.fr pour participer au challenge capillaire dans l'espoir de remporter un prix, peuvent maintenant rebondir sur l'email initial qu'elles ont envoyé et envoyer les résultats. Donc, je compte sur vous pour que vos cheveux apparaissent de manière visible, pour que la feuille, pour que vous teniez une feuille en main avec la date du jour et les mesures. Et avec l'équipe, on va examiner tout ça et on va délibérer. Du coup, vous avez jusqu'au 14 juillet minuit
pour envoyer vos résultats du challenge capillaire. Et puis, on fera les délibérations dès le 15 juillet à 21h sur l'ensemble des réseaux sociaux en simultané lors d'un live, à savoir sur YouTube, Facebook et Instagram. Ça va être chaud, il y aura des cadeaux à gagner, bien évidemment, parce qu'il y a toujours des cadeaux à gagner lors des lives. Donc, pour rappel, il y a 6 prix à remporter, à savoir une bouteille de 1 litre d'huile Mascriti, une bouteille de 500 ml, une bouteille de 250 ml, une bouteille de 120 ml, un foulard en satin gold et puis une brosse en poils de sanglier 100%. Donc, maintenant que le challenge capillaire est terminé, j'ai envie de vous dire merci. Merci d'avoir participé à ce challenge capillaire. Merci d'avoir été active sur tous les réseaux sociaux et d'avoir été là, tout simplement, parce que c'est cette famille, c'est vous avant tout. Et puis maintenant, du coup, j'ai une toute petite faveur à vous demander. J'ai besoin d'avoir vos avis et vos recommandations. Donc, vous trouverez dans la barre de description de cette vidéo le lien de la page Facebook Evazer qui vous mènera aux avis et aux recommandations. Et je compte sur vous, du coup, pour poster un avis ou une recommandation par rapport au challenge capillaire Evazer, par rapport aux produits Evazer. Dites-nous ce que vous pensez de nos produits et dites-nous ce que vous pensez des challenges capillaires. Et franchement, on compte sur vous parce que c'est vraiment important pour le développement de la marque Evazer. Après, je sais qu'il y en a pas mal qui vont être déçus, qui vont se dire « mais moi, du coup, j'ai pas pu participer au challenge capillaire puisque je connaissais pas Evazer. Maintenant, j'aimerais le faire. Donc, comment faire? C'est fini. Comment on fait ?» Eh bien, sachez que c'est le tout début d'une belle histoire d'amour. Je dis ça parce que, comme vous pouvez le voir, on est vraiment en train de développer une gamme capillaire complète avec tous les accessoires dont on aura besoin pour faire les futurs challenges capillaires. Donc, il faut rester. Il y aura plein d'autres challenges capillaires. Et d'ailleurs, le prochain challenge capillaire sera lancé le 1er septembre 2020. Donc, notez cette date dans vos agendas. Et en attendant cette date, sachez que vous pouvez bénéficier de conseils personnalisés gratuitement. Tout ce que vous avez à faire pour en bénéficier, c'est à nous rejoindre sur Instagram et à nous envoyer un message en privé. Et puis, vous recevrez une réponse dans environ 72 heures. Donc, je pense que vous vous en doutez déjà, on reçoit déjà énormément de demandes. À cause de ça, à cause de tout l'intérêt que vous nous portez, à cause de tous ces messages que vous nous envoyez, c'est vraiment dur pour nous de répondre dans un délai qui soit extrêmement rapide. Mais sachez que même si on prend du temps, vous aurez une réponse. Donc, soyez patients. On compte vraiment sur votre patience sur ce coup-là. Donc, du coup, on se retrouve sur Instagram et sur Facebook en attendant le lancement du challenge capillaire du 1er septembre 2020. Et voilà, restez connectés sur nos réseaux sociaux parce qu'il se passe des choses tous les jours en story sur Instagram et sur Facebook. Et puis, entre-temps, je vous fais de gros bisous et je vous donne rendez-vous le 1er août pour la prochaine vidéo sur YouTube. Bisous.